Donc, je vais m'exprimer en français, comme vous l'entendez, mais je vais utiliser un slow French. Okay? Voilà. D'abord, je suis très honoré d'être là, comme vous tous, j'en suis sûr. Et je tiens à remercier très chaleureusement, très profondément, ce Conseil scientifique du Vatican. Je suis touché par l'ouverture d'esprit dont il témoigne. Et en particulier, bien sûr, mon ami de toujours, Yves Coppens, qui m'a fait l'honneur de m'inviter ici. Je tiens aussi à féliciter le texte produit ici par Sa Sainteté, le pape François, qui est extrêmement généreux, très ouvert, en même temps qui contient l'essentiel de ma pensée, figurez-vous. Car pour moi, la spiritualité et la religion, de manière générale, sont consubstantielles à l'humanité. Il n'y a pas, pour le dire autrement, il n'y a pas d'humanité sans spiritualité. C'est un peu comme si on imaginait une humanité qui ne mangerait pas ou qui ne se déplacerait pas. C'est l'homme total, il est là dans les différentes formes de spiritualité. C'est ce que j'appellerais la métaphysique. Alors, pour le dire tout autrement, et avant de montrer quelques images, je pense que la démonstration est faite, comme vient de l'évoquer Yves Coppens, qu'avec l'humanité, on voit apparaître le processus essentiel de nos propos, qui est la conscience. La conscience, nous voyons apparaître avec précisément la taille des pierres, bien sûr, c'est facile puisqu'elles sont conservées, mais aussi par une modification de l'alimentation qui va vers l'alimentation carnée plutôt que végétale, vers l'organisation de l'habitat, donc vers l'organisation d'une société. En d'autres termes, il n'y a pas de raison de chercher un point d'origine au phénomène religieux. C'est autant un processus que les modifications anatomiques qui ont suivi le développement de notre espèce. C'est d'autant plus important que la conscience, vous voyez bien, la clé de mon raisonnement se trouve là. La conscience crée ce qui n'est pas accessible par elle et qui est du champ du sacré, ce qui est vrai, mais sur lequel on n'a aucune prise, et pourtant c'est vrai. Ce fonctionnement entre l'opposition conscience-sacralité est au fondement de toute notre démarche, y compris la démarche scientifique d'ailleurs. Il faut, pour être scientifique, supposer qu'il existe une vérité et qu'elle peut être atteinte par le développement de la conscience. Eh bien, il n'y a pas de raison que dans le passé le plus ancien, comme vient de l'évoquer Yves, il n'y ait pas eu cette dualité. Dès qu'il y a conscience, il y a sacré. Donc, il y a quelque chose qui existe sur lequel on n'a pas de prise, et ce que j'appelle donc le domaine de la métaphysique. Et pour expliquer, pour illustrer plutôt cette évolution, j'ai pris quelques exemples archéologiques, donc des données matérielles, qui vont non pas expliquer, mais bien illustrer l'évolution de cette aptitude à la sacralité. J'ai pris cette image pour simplement évoquer que nous ne travaillons pas, nous, archéologues, à partir de la neurologie, ce sera l'objet d'un débat probablement, mais plutôt à partir de ce qui est façonné, ce qui est exprimé par cette neurologie, en termes de matériaux. Tout ce que nous faisons, nous, rentre dans le domaine exclusivement matériel. J'ai pris cet exemple-ci qui inspire déjà la spiritualité. Nous sommes, vous savez sans doute tous, au troisième millénaire dans la mer Égée. Nous ne savons pas grand-chose de cette civilisation. Mais on voit tout de suite que l'expression de la pierre polie entre dans le mystère de la création. Quelque chose touche à quelque chose qui n'est pas connu et commence à prendre contact. Oui, je voudrais bien passer la suivante. Je sais trop comment on sait. Comment on fait pour passer la diapositive suivante? Alors, je voulais un des points aussi soulevés par Yves, qui est propre à notre humanité, c'est évidemment la station érigée, la station debout, qui présente cette d'abord particularité au sein de la famille des primates, mais qui en même temps, et surtout pour notre réflexion ici, crée une distanciation par rapport au sol. Donc le cerveau, celui qui produit cette conscience, est tout en haut de cette anatomie, et en même temps il peut voir loin, il peut donc prévoir, il peut tourner autour, et ainsi se situer le corps dans l'espace et dans les événements présents, ailleurs et futurs. Donc cette situation simplement anatomique, cette disposition anatomique, crée déjà la disposition pour créer la métaphysique, pour savoir ce qui est appréhendable par la pensée et ce qui échappe à cette pensée. Et vous avez, ici, j'ai pris quelques exemples que vous connaissez sans doute, la civilisation de Vinča au 5e millénaire en Europe centrale, et puis la
le symbole de la croix chrétienne. Et à chaque fois, nous retrouvons cette importance accordée à la station droite, à la station debout, ce qui est propre à l'humanité et qui enclenche le développement de la conscience. Oui, la suivante. Voilà, alors, aussi comme Yves l'a fait allusion, l'épreuve existe, puisque nous sommes quand même dans le champ du scientifique, l'épreuve existe de cet enchaînement de concepts par, déjà dès l'Australopithèque ici, par l'enchaînement des gestes, qui sont toujours les mêmes. Donc, il y a une conceptualisation extérieure à l'objet lui-même, puisque les objets sont standardisés, ils sont stéréotypés, ils sont toujours les mêmes. Donc, on peut déjà là voir qu'il y a non seulement un fonctionnement de conscience, qu'il y a par conséquent un développement du sacré, et qu'il n'y a pas que ces témoignages-là qui peuvent l'attester, mais aussi le rapport à l'animal, par exemple, qui change radicalement à cette époque. Donc, s'il y a fabrication d'outils qui sont toujours les mêmes, il y a fatalement à côté de cela agencement conceptuel qui implique l'existence d'un langage articulé, qui est un langage qui va développer les concepts de manière abstraite et qui permet en même temps de communiquer. Et là, on a un témoignage extrêmement important de la coercition sociale, puisque cette aptitude détermine les relations sociales et les assouplit au fil du temps. Donc, je vais prendre l'image suivante, s'il vous plaît. Alors, un autre exemple que vous connaissez sans doute, c'est qu'au fil du temps, vers 1,5 million d'années, on voit apparaître des objets, le biface, là, au centre du cliché, qui sont des objets sculptés. J'ai pris la comparaison avec un des esclaves de Michel-Ange sur la gauche pour montrer que ces formes n'existent pas dans la nature. Donc elles sont créées, ce sont non seulement des concepts, mais bien des formes qui sont ainsi extraites du milieu naturel, chargées d'un message intellectuel, et vont ainsi être transportées au titre de symboles. Elles sont toujours les mêmes, elles ne servent pas à grand-chose, du moins on ne sait pas trop quelle est la fonction technique. Par contre, la fonction symbolique est tellement évidente que quand vous voyez à droite du cliché, cet objet seul est associé à une sépulture collective d'environ 380 000 en Espagne, à Tapuerca. Donc il y a certainement une création de forme à partir de pierres qui étaient amorphes, comme le Michel-Ange, et puis ensuite une charge symbolique donnée à cette forme qui va accompagner les fonctions qui, elles, sont de nature spirituelle. Oui, la suivante, j'avance. C'est rapidement. C'est intéressant de voir que les outils, entre guillemets, comme le biface qu'on vient de voir, les objets qui sont fabriqués et destinés à un usage technique, sont eux aussi chargés d'un sens esthétique. Vous voyez, pour les objets paléolithiques, des néandertaliens tout à fait à gauche, et puis les objets plus récents, soit néolithiques, soit ethnographiques, où la charge esthétique n'a plus aucun rapport avec la fonction première de l'outil. Elle est purement un agrément qui est ajouté à la forme de manière à la rendre plaisante. Plaisante à la vue, plaisante au toucher. Comme si, une fois cette forme élaborée, de manière aussi élégante, aussi esthétique, elle possédait désormais une valeur supplémentaire qui la faisait entrer dans la variation des symboles sociaux. Par exemple, pour marquer des classes différentes, ou marquer des occasions différentes, marquer des situations cérémonielles différentes. Donc, dès qu'il y a une forme, elle s'extrait de la nature, ensuite elle s'investit d'une certaine charge symbolique qui, elle, alors, va répondre à une variation de fonctions sociales qui sont de l'esthétique à la cérémonie, à la hiérarchie sociale. Donc, dès qu'il y a matérialisation, il y a tout aussitôt une réponse qui illustre l'activité intellectuelle de l'humanité à tous les niveaux. Donc, j'ai pris un exemple à 1 million d'années, un exemple à 350 000 ans, un exemple ici à 50 000 ans. Et toute cette variation de forme et de fonction évolue au fil du temps. Oui, la suivante. Alors, j'ai pris un autre exemple, principalement connu de Turquie, le feu. Le feu est extrêmement impressionnant, évidemment, dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il transforme la matière, transforme l'atmosphère, il donne la chaleur là où il fait froid, il donne la lumière là où il fait obscur, et surtout, il transforme le matériau. C'est une action purement métaphysique. Et là, elle est au service de l'humanité depuis au moins 1,5 million d'années, et elle va ne jamais plus le quitter dans toutes ses activités spirituelles, autant que culinaires ou simplement utilitaires. Donc c'est un des éléments, donc, outre l'outil et la chasse, qui vient s'ajouter et qui reste, y compris dans les rituels les plus récents,
qui reste associé, car l'homme désormais, en possédant le feu, possède une force démiurgique. Il va défier la nature, donc défier les dieux. Il va se mettre en position équivalente au déterminé, ce qu'il avait fait naître là où il est. Il va mettre en question et mettre en cause les fonctions qu'il avait classées là où il est dans l'histoire de l'univers. Et cette caractéristique qui est évidente avec le feu ne le quittera plus et va être à l'origine, à mes yeux, des autres activités religieuses qui vont suivre. Le fonctionnement religieux se présente toujours comme ça. Il est en défi, il constitue un défi avec ce qui détermine l'humanité. Y compris notre propre recherche est un défi à ce qui nous détermine. C'est une sorte d'appel à la liberté, d'appel à l'indépendance. C'est une sorte de preuve, à contrario, de l'importance de cette spiritualité, car c'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui nous fait évoluer par des défis successivement surmontés, comme oui, la suivante. Voilà, puis je prends un autre exemple que vous connaissez sans doute aussi, c'est la relation indirecte entre les vestiges anatomiques, cette fois-ci, le crâne en particulier, des défunts. Et ces vestiges, après la mort, sont soigneusement collectés, on fait allusion aux sépultures, à l'instant, mais aussi bien avant, ils sont d'abord sélectionnés de manière différentielle lorsqu'il s'agit du crâne, par exemple, qui contient tout de même dans toute civilisation, qui contient la personnalité de l'individu décédé, sa force, son éventuelle intelligence, donc il fascine au titre de vestige, j'allais dire de trophée. Nous sommes à la limite ici entre l'objet qui a une valeur en soi et l'objet qui est référentiel à quelque chose d'intellectuel qui précédait à sa conservation. Donc ça aussi, nous sommes dans le domaine de l'universel, car au fil du temps, à partir de ce moment-là, jamais plus un vestige ne sera anodin. Un vestige va être chargé de valeur de trophée, car il incarne ce qui n'est plus lui, qui était du domaine du vivant. Ça nous le voyons au fil du temps, là nous sommes dans les populations les plus anciennes, comme le Homo erectus, et déjà on voit le processus d'isolement du crâne par opposition aux autres parties du corps. Oui, la suivante. J'ai pris cet exemple-là qui évoque évidemment le sacrifice de la messe. Vous êtes sans doute au courant de Crapina à droite et du Monte Circe aussi au sud de Rome, à gauche. Et ce sont des témoignages de ce crâne à nouveau qui montrent cette fois-ci des traces d'anthropophagie. Donc on a consommé le défunt. Il y a des traces de découpe, des traces de brûlure. On a extrait le crâne, le cerveau. Hein. Eh bien, cette transformation, ce passage du vivant vers le mort et vers ceux qui survivent est aussi un des processus qui enclenche un phénomène religieux tel que la messe, le sacrifice de la messe qui symboliquement, bien sûr, consomme la chair du Christ et boit son sang. Exactement comme dès les Néandertaliens, on voit ce processus s'enclencher et ne quittera plus le domaine religieux désormais. Oui, la suivante. J'ai voulu insister sur l'importance non seulement du crâne, mais aussi de la face. Au fil du temps, et surtout au néolithique, ceci date du néolithique du Proche-Orient, globalement entre 10 000 et 5 000 ans, et on voit apparaître une fixité du regard. Le regard est agrandi et mis en valeur par l'ouverture des orbites, mais aussi par là, on y place un coquillage pour reproduire le regard du vivant. Et ce regard insiste, un peu comme chez Athéna, la déesse grecque, sur l'intelligence de celui que l'on représente et sur le passage via les yeux de cette pensée, de celui qui pense vers celui qui observe. Et ceci est incarné par des crânes isolés, comme vous voyez là, et dont le regard a été restitué par la coquille. Nous sommes au pré-néolithique du devant. Oui, la suivante. Voilà, je voulais insister sur cette importance du regard dès le paléolithique supérieur, en bas à gauche, et puis au néolithique, aux différentes phases, au mésolithique d'abord en haut, à gauche, et puis au néolithique en bas. Donc, on voit apparaître un moment crucial de l'humanité, à mon avis, vers 10 000 ans, où le défi dont je parlais au sujet du foyer va prendre une forme encore plus accentuée. Plutôt que de représenter des forces naturelles comme les animaux, on va représenter des hommes, comme si désormais on pensait,
pensée humaine imaginait que c'était l'humanité elle-même qui détenait la force, qui jadis était attribuée à la nature. Donc il y a un basculement là, qui va conduire progressivement aux religions avec un panthéon, et puis aux religions monothéistes. À partir du moment où l'image principale, l'image sacrée, devient en forme humaine. Et donc un glissement, là, un défi supplémentaire. Oui, la suivante. Voilà, j'ai pris l'exemple bateau d'Athéna, qui est la déesse de la sagesse, comme vous savez, évidemment a pris l'image du hibou comme symbole, et qui est représentée abondamment dans l'art grec, qui passe par la lucidité comme incarnation de l'intelligence. Et on le voit apparaître en bas à droite, des néolithiques moyens vers le 5e millénaire. Donc, tout ce processus est logique, c'est là-dessus que je veux insister. Il y a un mécanisme, il n'est pas possible d'imaginer un mécanisme qui inverserait ces différentes composantes. Elles sont toujours logiquement emboîtées les unes dans les autres au fil de l'évolution. Oui, la suivante. Alors, j'ai pris un autre exemple, là aussi, daté chronologiquement, c'est l'apparition de l'arc. J'ai pris évidemment l'utilisation actuelle chez les Bochimans en croix, et puis au Mésolithique, au milieu du cliché, et puis dans les religions indiennes, avec Vishnu qui porte l'arc. Et cet arc n'est pas simplement un instrument de chasse, mais surtout, il est très chargé symboliquement, comme vous voyez là, puisque l'arc permet de tirer, de tuer loin, à longue distance, avec précision et avec force, et silencieusement. Donc, il y a bien sûr son application mécanique, mais en même temps, il y a toute sa valeur symbolique, qui, à mes yeux, précède l'autre. Il y a d'abord une volonté de surmonter cette distance, de surmonter cette force et cette précision, d'abord dans la tête, et puis dans l'exécution pratique. C'est comme ça que l'on voit lier cette invention, quelque part à la fin du paléolithique, jusque dans les religions les plus récentes. Donc, à chaque fois, il y a un décalage entre la matérialisation d'une force mise à la disposition de l'humanité et sa situation dans le récit religieux. Oui, la suivante. Alors, j'ai pris cet exemple-là. Vous connaissez tous, évidemment, les arts paléolithiques, statuaire de l'Allemagne, ou bien peinture de Rubens de Chauvet. En même temps, j'ai essayé d'associer ici trois idées. Celle du cheval, qui est un animal fuyasse, qui court vite et loin, et qui en même temps accompagne l'homme, en tout cas l'homme moderne, à travers sa conquête de l'Europe, et son image, qui devient donc là, cette fois-ci, un symbole, et en même temps son association à la royauté. Royauté divine, comme vous voyez. Et cette royauté possède à la fois le cheval qu'elle maîtrise et l'arc qu'elle utilise comme pour tirer vite et loin. Donc, tous ces différents éléments, que j'appellerais des morphèmes, sont des constituants de cette démarche de la constitution des religions historiques. Oui, la suivante. Alors, une chose se passe évidemment de manière aussi fondamentale, vous savez sans doute, c'est que à partir de vers 40 000 ans, on voit la nature inféodée à l'humanité. Donc, on voit apparaître avec ce qu'on appelle les hommes modernes en Europe, mais qui apparaissent également en Chine, ou en Amérique, ou en Australie. Il y a quelque chose qui change là. Lorsque l'homme quitte la mythologie, disons, archaïque des Néandertaliens, là où les forces sont invisibles, il emprunte à la nature ses symboles, tels que les coquilles, tels que les dents, les canines en particulier, et il va les assujettir à sa propre personne. Comme si tout à coup, vers cette période-là, l'animalité perdait de sa puissance, se dégradait dans son statut et devenait une sorte d'attribut à l'humanité. Et ça, comme vous le savez, c'est évidemment la caractéristique des hommes modernes, du moins en Europe, avec la création d'images, où ce n'est plus, comme au paléolithique moyen, le trophée dont je vous parlais tout à l'heure, mais bien l'image, c'est-à-dire la création par l'homme de cet animal. Ça, c'est un basculement tout à fait fondamental et irréversible. Situé donc vers 49. Oui, la suivante. Voilà, j'ai pris ces exemples-là pour illustrer ce basculement. Vous voyez qu'on peut utiliser le trophée au titre de décoration d'attribut, disons, du personnage central là-bas, ou bien représenter cet animal. Donc, ce n'est plus l'animal en tant que soi qui est honoré, mais bien son image.
Là, on quitte finalement le respect d'afféodation à la nature pour s'afféoder à la reproduction qu'on en a faite. Pareil pour le paléolithique, tout à fait à droite, là, on voit déjà ce que nous appelons un chaman, parlons très, très simplement, de manière tout à fait hypothétique, c'est-à-dire un homme dont la représentation n'est pas réaliste, mais bien allusive à la soumette humaine, bien qu'il soit dissimulé sous une dépouille animale, dans ce cas-là, à l'hôpital. Oui, là, suivant. J'ai pris aussi cet exemple de la tauromachie, qui est vraiment un exemple très puissant de cette intelligence mise au service de la manifestation de l'humanité. Donc, la tauromachie actuelle, vous savez, elle est totalement artificielle, elle n'est pas là pour se nourrir, bien sûr, hein. Elle est là pour défier la nature. Donc, en bas à droite, donc le taureau, lui, a été élevé spécialement pour ça, il n'est pas consommé. En tout cas, ce n'est pas dans ce but, mais il est bien pour réactualiser la force de l'homme et de son intelligence, de son audace, par rapport à une nature qui est violente. Eh bien, on voit apparaître ce genre de réflexion métaphysique dès le paléolithique moyen, donc là, en bas, à gauche, où on voit les bucranes, les chevilles osseuses des bovidés, qui sont préservées, isolées. Nous sommes ici au sud de la France. Et puis, à Çatalhöyük, au 7e millénaire, en Anatolie, on voit à chaque fois ce jeu sur les taureaux. Et puis, finalement, qui se poursuit dans la corrida et même dans les rodéos. Cette pratique a été exportée vers les Amériques. Dans les rodéos actuels, c'est encore la même idée. Surmonter un animal sauvage par la force, par l'intelligence mise au service de l'humanité. Oui, le suivant. J'ai pris d'autres illustrations, on ne va pas trop s'attarder, mais ça, c'est également le cas pour les ramures de cervidés que vous voyez sur les chamans au centre, des paléolithiques, mais aussi des paléolithiques moyens en bas, à gauche, où la particularité des bois de cervidés, comme vous savez, en tout cas des cerfs rouges, c'est de tomber chaque saison et puis de reprendre l'année suivante. Donc, cette symbolique de la revitalisation de l'animal est ainsi intégré dans les sépultures humaines dès les Néandertaliens. Le principe de la renaissance est lui-même incarné dans le vestige qui accompagne le défunt, comme s'il y avait une symbolique sur symbolique. Déjà, la sépulture est un symbole puisqu'elle isole le défunt des autres interactions naturelles et en plus, on y ajoute une connotation de revitalisation par rapport à la nature sauvage. Oui, la suivante. Voilà, pareil pour l'oiseau. Vous savez sans doute, chez les chamans, souvent sibériens, l'oiseau est associé au message qu'ils envoient aux forces naturelles. Et donc, l'oiseau que l'on retrouve au paléolithique pourrait bien avoir cette fonction-là également. En même temps que vous connaissez peut-être les peintures du paléolithique en Europe, où on voit des personnages humains lardés de traits ou qui perdent leur vie devant la maison, là, à Lascaux. Et ce pourrait bien être le chaman qui perd sa nature humaine provisoirement, qui perd sa vie durant la cérémonie, et qui va la retrouver par la suite, après la cérémonie. Mais il meurt d'abord symboliquement. C'est comme ça qu'on explique également les statuettes de chaman qui, en ethnographie, accompagnent le défunt et qui sont le substitut de ce chaman lors de cet exercice, qui pourrait expliquer les statuettes humaines paléolithiques d'ailleurs. Oui, la suivante. Voilà, je voulais juste dire un mot sur la mythographie, évidemment, du paléolithique, telle que l'a définie André Leroy Gourhan, qui illustre des récits. Il va pas, cette mythologie graphique n'est pas lisible telle qu'elle, elle est allusive, elle évoque une situation rêvée, comme dit, avec une série de symboles qui sont parfois suggestifs, comme les bouquetins ou le cervidé, mais qui sont parfois tout à fait abstraits puisqu'ils sont codés dans un récit oral, lui, qui ne nous est pas parvenu. Il n'empêche que la structure de ce récit subsiste dans l'image, par l'image. Oui, la suivante. Voilà, j'ai pris aussi l'exemple de l'ours, qui est aussi un universel. On le retrouve chez les Aïnous, on le retrouve en Sibérie, on le retrouve partout, le culte de l'ours, qui est une sorte de défi à nouveau de l'animal vers l'humanité, et dont on retrouve des vestiges dès le paléolithique moyen. Ces ossements-là sont isolés.
Et curieusement, dans les cas d'ethnographies qui sont connues, les ours ne sont pas consommés. Il ne s'agit pas d'une chasse, mais bien d'une chasse rituelle. Et en même temps, ces vestiges sont restitués à la nature en position anatomique, de manière à lui permettre de retrouver la vie. La relation à l'ours est toujours très ambiguë dans ces situations. Oui, la suivante. Alors, je vais dire un mot des activités rituelles. Par exemple, l'initiation ou le chamanisme, comme j'ai dit un mot tout à l'heure, mais elles sont assez évidentes par l'existence d'instruments de musique. Vous connaissez tous l'arc musical en frère, en magdalénien à droite, et que j'ai comparé avec un arc musical subactuel africain. Et puis la flûte de Divje Babiel là, en Slovénie, au-dessus, qui fait 60 000 ans, et qui montre que les activités musicales étaient déjà attestées chez les Néandertaliens. Ce n'est pas très surprenant, évidemment, là c'est simplement la preuve, mais on ne peut pas imaginer qu'il y ait des activités rituelles sans musique. Et dans ce cas-là, précisément, cette musique se faisait dans une grotte très vaste, donc avec un écho. On peut imaginer qu'il y avait un rituel, une sorte d'opéra, avec des images et de la musique, lors de ces réalisations cérémonielles, dès le néandertalien, dans ce cas-là. Oui, la suivante. Voilà, j'ai pris l'exemple de ces permanences musicales, comme le bâton de tambour de la Garma. Nous sommes dans le nord de l'Espagne, à 14 000 ans, et qui est équivalent au bâton de chaman sibérien que vous avez à gauche, à nouveau en extase, et qui porte d'ailleurs, comme vous le remarquez, les bois de cervidés, bois de renne jusqu'à là, et une dépouille animale. Donc il est à l'intermédiaire entre les forces naturelles incarnées par l'animal et l'humanité. Qu'il sert. Donc, c'est une forme d'échange en fait, entre les forces dans un sens et dans l'autre. Oui, la suivante. Ben, j'ai pris cet exemple-là pour insister sur la notion de délimitation d'espace social. Vous savez sans doute que dès l'Australopithèque, l'image de bas à droite, on observe une concentration d'objets, de pierres et d'os, qui délimitent un espace centré et qui semble correspondre à un amas, dont la couverture est perdue, bien sûr, mais qui tout de même montre qu'il y avait une délimitation entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur dans l'activité sociale. Eh bien, on le retrouve, bien sûr, en Afrique toujours aujourd'hui, et en particulier par la couverture. La couverture qui est une sorte de faux ciel, un autre ciel, qui est créé par la société. Eh bien, cette permanence de la voûte, de manière générale, va se poursuivre, puisqu'elle enveloppe la conscience collective, sous une couverture appropriée, un peu comme cette voûte-ci. Oui, je faisais la réflexion à un endroit qui est chargé de symboles, religieux ou mythologiques, et qui nous domine, qui nous écrase en même temps. Mais cette formule est découverte depuis très tôt, bien sûr, avec les grottes. Oui, la suivante. Voilà, j'ai pris la comparaison avec la couverture végétale. Où en Afrique centrale, encore aujourd'hui, les cérémonies se font dans certaines régions, sous certains arbres seulement, dans certaines forêts. Et puis Lascaux, que vous connaissez évidemment en bas à gauche, avec la convergence dans la voûte romane, qui elle aussi écrase le fidèle et induit en lui une réflexion interne, qui n'est pas exaltée comme ce sera dans le gothique ou dans le baroque, mais qui au contraire va le rendre à lui-même. Eh bien, ce morphème, cette manière de faire, était déjà paléolithique, bien sûr, et se retrouve dans les peintures, cette fois-ci comme ici, sur les voûtes romanes. Donc, on voit des séries d'éléments qui s'agencent les uns après les autres et qui constituent ce qui vont devenir les religions aux temps historiques. Oui, la suivante. Voilà, alors un des éléments du rituel, c'est évidemment l'initiation, qui est une fonction fondamentale dans toute humanité, puisque nous passons du stade enfantin au stade adulte. Durant cette phase qui peut durer plusieurs années, plusieurs mois, eh bien, les modifications biologiques sont fondamentales, sont irréversibles, et donc sont accompagnées très naturellement d'un rituel, comme vous voyez là chez les Pygmées, cette jeune fille à droite, mais aussi dans la grotte de Nio à gauche, où on voit des pas d'adolescents qui suivent les parois décorées, comme s'il y avait une épreuve à traverser le froid et le noir, et qu'on s'aidait en suivant la mythographie illustrée sur les parois. Donc, je pense que les grandes fonctions essentielles de la vie, telles que la naissance, la mort, l'initiation,
et bien d'autres encore sont ritualisés au fil de l'évolution humaine. On leur donne une signification métaphysique qui permette de surmonter ces différentes étapes. Oui, la suivante. Je peux un autre exemple montrer. Ça me semble au néolithique balkanique, donc c'est nettement plus récent, 5e millénaire, hein, civilisation de Kokoutemi, avec une comparaison chez les pygmées à droite. Vous voyez que la transformation anatomique vient s'imprégner sur le corps de la jeune fille, comme dans la statuette. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sa biologie elle-même qui se transforme, mais bien sa décoration qui est déculturelle, comme si elle était tout à coup désignée comme étant partie de la population qui l'intègre. Oui, la suivante. J'ai pris cet exemple-là parce que souvent, on fait allusion à la dame de Brassempuis sur votre gauche. Oui, ce sont des tresses. Et j'ai pu comparer ici avec des Maasai, donc dans l'est de l'Afrique, où ce sont des nattes qui sont chargées d'encre rouge. La couleur rouge est évidemment un symbole fondamental de la vie. Et ces nattes sont reportées sur le devant du visage lors de l'initiation, de manière à ce qu'elles ne voient pas la cérémonie, bien qu'elles y participent. Donc c'est une comparaison, mais il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'une chose analogue dans le palmétique, justement au passage stade enfantin ou stade adulte. Oui, le suivant. Voilà, j'ai évoqué la musique, je peux évoquer la danse, qui se trouve également illustrée par ce bas-relief de l'Océan. Il y a des arrangements qui s'en correspondent au mouvement rythmique que l'on voit là en Afrique du Sud lors de la cérémonie. Oui, la suivante. Et puis alors, la modification fondamentale que l'on voit de manière absolument incontestable, c'est évident, le passage de la nature sauvage à la nature domestiquée, puis selon les régions, on varie dans le temps, bien sûr, ça peut passer à 10 000 ans, à quelques milliers d'années seulement, et qui, à mes yeux, est incarné par l'épisode du paradis terrestre, dans cette peinture de Bruegel, le jeune, à gauche. Vous voyez que tout à coup, l'homme réalise sa nudité, réalise qu'il est dans un monde agressif, sauvage, et qu'il va devoir le domestiquer, ce monde-là. Donc, c'est écrit, bien sûr, dans l'Ancien Testament, mais je pense que ça donne référence à quelque chose qui, en termes archéologiques, correspond au passage du mésolithique, entre le paléolithique et le néolithique. Un moment où la conscience de l'homme se développe de telle manière qu'il défie à nouveau la nature, de telle sorte qu'ils s'en rend maître par l'agriculture et par l'élevage. Ce ne sont plus les animaux, les espèces sauvages qui vont importer, mais bien celles qu'il a lui-même inféodées jusque dans leur biologie. On a créé des espèces, exactement dans le processus débiologique dont je parlais tout à l'heure au sujet du foyer. L'homme a osé aller jusqu'à créer des espèces sur le modèle du Dieu créateur. Et ça se passe dans la phase récente, disons, la préhistoire, il me semble, d'ailleurs dans l'Ancien Testament, de manière générale, il y a des tas d'épisodes extrêmement intéressants, extrêmement riches, qui me semblent correspondre à des reflets de réels événements préhistoriques, comme l'étape de la loi, par exemple, l'apparition d'écriture. Enfin, ici, c'est très, très clair, avec la récolte, j'ai pris l'image de droite, là, où on récolte d'abord les céréales sauvages, et puis, à un certain moment, toujours aujourd'hui, à un certain moment, on les réensemence, on ne les consomme pas, et elles sont donc, elles deviennent domestiques par dérive génétique. Oui, la suivante. Oui. Voilà, j'ai pris cet exemple-là pour montrer qu'il y a les blés dans l'Ancien Monde, mais également le maïs au Nouveau Monde, et cette jeune Indienne Hopi-là rend à la nature une partie de la première récolte via le vent, qui est un autre de ces éléments fondamentaux, de manière à réensemencer cette future récolte. Oui, la suivante. Alors, à partir de ce moment-là, on voit apparaître non seulement des images humaines, mais des images féminines en particulier, qui annoncent évidemment le culte marial par la puissance de la procréation. Procréation, ici, nous sommes à Çatalhöyük, au 7e millénaire, en Anatolie. Et cette procréation est accentuée par les différents éléments de maternité qui sont exagérés, bien sûr, sur cette statuette, à l'intérieur du temple, et qui, en même temps, remarquez, sur chacun de ces accoudoirs-là, se trouvent des félins. Comme si symboliquement la femme qui est en train d'accoucher est en même temps maîtresse des animaux les plus dangereux, que sont les félidés. Donc elle incarne toute cette puissance par l'image.
Elle est procréatrice et en même temps elle domine la nature dangereuse et sauvage. Là, nous sommes justement dans la nouvelle phase de l'histoire. Oui, la suivante. Alors, comme vous savez, ce mouvement se poursuit, bien sûr, avec la Renaissance, avec la naissance de Vénus, qui, elle, comme par hasard, provient de l'eau, avec la coquille. Et cette allusion au élément aquatique, il est non seulement dans le vase, Koukouténi du 5e millénaire à droite, mais aussi dans la spirale qui évoque la vague. On voit plus l'eau. Donc, c'est l'eau qui, tout à coup, prend l'importance, puisque c'est elle qui est fécondante dans l'agriculture et qui, en même temps, va être chargée d'une naissance spirituelle. C'est elle qui va assurer le renouvellement de la vie. Et donc, de l'utilisation de ces céramiques. Oui, la suivante. Voilà. Alors, un des derniers éléments, c'est la lumière cosmique. Sont non pas la lumière créée par l'homme, mais celle qui est récupérée par l'homme au fil du temps, donc soit dans les cérémonies africaines là-bas, soit dans les cérémonies asiatiques. Et cette manifestation divine, elle est vraiment dans le domaine du sacré, puisqu'elle est inaccessible. Le soleil lui-même ne peut pas être maîtrisé, tandis qu'il peut être utilisé. Donc on voit une série de cérémonies un peu partout sur la Terre, et en particulier dans la phase récente de la préhistoire, on voit que le soleil, la lumière qu'il donne, sont un des vecteurs des religions et une des manifestations de cette puissance religieuse. Oui, la suivante. Oui, suivant. Ils sont fascinés par nous. Alors, je voulais terminer sur ces illustrations ici. Vous savez sans doute que les mégalithes sont orientés en fonction des mouvements des astres, non seulement du Soleil, mais aussi de la Lune, qui peuvent servir aussi de calendrier dans ce cas-là, puisque les mouvements ne sont pas toujours réguliers. Et qu'à la fois, ils sont donc signes de la Renaissance, maîtrisés par le mégalithe. C'est comme si le mégalithe, non seulement voyait la lumière solaire revenir, mais comme s'il déterminait le retour de cette lumière, la faisait venir. Et donc, j'aurais pris la comparaison avec la religion chrétienne. On voit également que la luminosité du soleil vient s'associer à un message christique, dans la même symbolique. Oui, la suivante. J'aurais pu vous connaître sans doute ce temple absolument fondamental. Ce temple, il y en a plusieurs, à Gubbleti Tepe. Nous sommes au 10e millénaire avant notre ère, en Anatolie orientale. Nous sommes juste au basculement entre les populations de chasseurs, cueilleurs et de populations productrices. Et là, nous sommes encore dans une civilisation qui est prédatrice, mais elle a un comportement religieux de nature productrice. Elle est fixe d'abord, elle a abandonné le système de déplacement saisonnier, mais les temples en question, il s'agit de temples, donc d'espaces délimités dans l'espace naturel, qui est protégé par une enceinte, vous voyez. Et là, bien avant que l'agriculture n'apparaisse, la métaphysique avait changé, avait déjà prévu qu'elle pouvait dominer à la fois la lumière, l'espace, la procréation et la nature sauvage. Donc ça me paraît très important parce qu'on voit par une série d'exemples comme ça que la pensée précède l'appréhension ou l'acquisition technique. Même si on avait d'abord un phénomène de rêve antérieur à un phénomène d'adaptation matérielle au rêve. Je pense d'ailleurs que c'est toujours le cas, que la technique, en d'autres termes, est un rêve matérialisé, un rêve réalisé. Mais bon, dans ce cas-là, c'est assez évident. Tout le comportement religieux de la fin du paléolithique annonce le néolithique dans ses réalisations matérielles, mais ne fait pas encore, il l'annonce. Oui, il y a donc une antériorité de ce religieux sur la réalité économique. Oui, la suivante. Alors, je termine avec ceci. Oui, c'est une sorte de convergence assez évidente entre Stonehenge, que vous connaissez dans le sud de l'Angleterre, à gauche, donc une sorte de calendrier cosmique, puisqu'il permet d'aligner le monument sur les mouvements astraux, des changements Renaissance de Pâques, le solstice d'été du soleil, légèrement décalé d'une année à l'autre. Donc on peut prévoir les saisons. Et en même temps, cette orientation qui forcément va déterminer un cercle dans ces bâtiments gigantesques, et puis une direction donnée par le U central,
qui lui est orienté, se retrouve dans les villages médiévaux et en particulier dans l'église qui est là, qui va récupérer aussi le mouvement solaire et qui va donner comme une sorte de révélation via l'astre de la force divine qui se trouve dans le cosmos. Donc ce sont des éléments qui apparaissent les uns après les autres, qui déterminent le cadre religieux. Je ne suis pas en train de dire que la religion actuelle est expliquée par la préhistoire. Non, je suis en train de dire qu'il y a des convergences qui me paraissent témoigner de la logique, de l'homogénéité de la pensée humaine depuis ses origines. Ce qui change, en fait, ce sont ses réalisations. Mais ses aptitudes ne paraissent pas changer fondamentalement. Oui, la suivante, et voilà, j'ai pris l'exemple de Saint-Pierre, là où nous sommes, on sait que toujours et à nouveau, la lumière vient incarner cette puissance extérieure à l'humanité qui cherche à retrouver en soi. C'est un peu dans le message du pape François, c'est que nous sommes entourés de forces divines qui répondent à l'appel que nous avons en nous de cette divinité qui se trouve de manière très humble dans chacun d'entre nous et qui en fait correspond et est en échange avec cette divinité globale. En tout cas, en ce qui concerne, pour terminer, mon point de vue sur les aspects scientifiques apportés par l'archéologie ou par d'autres sciences, je ne crois pas qu'on pourra jamais prouver la non-existence de divinité, mais on peut prouver que l'humanité a toujours été fascinée par cette divinité qui probablement correspond à son propre besoin individuel. Je vous remercie.